Laisse-moi t'expliquer les bâillons. Je sais pas si tu m'entends, mais en gros, depuis que je suis arrivé, cette voiture ne marche pas parce que la batterie est vide. Et donc là, bon, il y a du vent, tu ne vois pas sans doute. Ouais, je te disais, depuis que je suis arrivé, cette voiture ne marche pas et. En fait, le problème, c'est que mon grand-père, bon, il laisse un peu les feux allumés et tout, tu vois. Du coup, là, ça fait 2 jours qu'on l'a rechargé. Et là, on va allumer la voiture. Enfin, je vais le faire tout seul, en mode sans feu allumé. Et on va essayer de faire un tour pour la recharger. Parce que, tu sais, une batterie, enfin, une voiture, faut qu'elle tourne, quoi. Donc, si elle tourne pas pendant 2 semaines, forcément. Allez, c'est parti. On remet la batterie, là. Bon, allez, moment de vérité, là. Pas de fioriture. Point mort, frein à main, embrayage. Allez ma belle, fais pas chier. Bon, les essuie-glaces marchent, c'est bon signe. Wow. Bon mais voilà, là je maintiens un peu les tours, tu vois, genre 2000 tours par minute, le temps qu'elle se chauffe un petit peu, on va laisser stabiliser, on va faire un tour. Bon allez, pour charger la batterie, il faut faire un tour. À tout moment, la voiture me lâche, parce que si tu me suis sur Facebook, tu sais, moi, aujourd'hui on est vendredi 13, et moi les vendredis 13, à chaque fois, il y a une merde avec une voiture. Donc franchement, je sais même pas pourquoi je fais ça, tu vois. Mais écoute, on va tenter le destin, tu vois, normalement ça devrait se passer, allez, ce vendredi 13 là. Il m'arrive rien de mal avec une voiture. Est-ce que je peux démarrer? Ouais. Oh putain, les freins, mon gars. C'est simple, il n'y a pas de frein en fait. Oh, les freins, c'est de la merde. Bon, la voiture roule. Par contre, les freins, c'est vraiment, vraiment de la merde, tu vois. D'ailleurs, mes rétros sont pétés, genre j'ai pas de rétro. Je peux juste pas aller trop vite en fait, parce que je peux pas freiner d'urgence. À la limite, faudra que je mette le frein à main, tu vois. Bon là, zone 30, on est pas mal. Bon, pour l'instant, ça va, c'est pas... Par contre, je pense que les pneus sont à plat. Genre vraiment, je le sens, tu vois, on tape sur la jante. Et le truc, c'est comment te décrire... Oh putain, comment te décrire? C'est une carcasse, tu vois, genre tu sens que c'est vraiment de la ferraille. Tu sens qu'il y a tu sens la mécanique derrière. Tu sais, aujourd'hui, dans les voitures... Oh putain, les freins, mon gars. Ouais, tu sais, dans les voitures neuves, tu sens que tout est bien conçu pour que tout soit bien doux, les transitions bien soft et tout. Là, non, tu vois, c'est de la mécanique, c'est un bout de métal qui tape sur un autre pour changer de vitesse, tu vois. D'ailleurs, il y a le voyant de mon frein à main qui est allumé alors que voilà. Oh là là, sens interdit, je vais où, là? Débat. Oh putain, l'embrayage, mon gars. J'arrive pas à croire que cette voiture roule, sérieux. Cette voiture là, j'étais même pas né, on l'avait enfin mon grand-père l'avait déjà, tu vois. Ok, super. Il y a l'aiguille des vitesses qui fait ça. Il y a un bruit qui a commencé à arriver là, genre tink tink tink. Et je commence à être sur la réserve d'essence. Fucking hell. Si j'arrive en un seul morceau à la maison, ça veut dire que j'ai cassé ma malédiction du vendredi 13, on y est bientôt, juste un bloc, tu me laisses passer, Cimerbro. Ok, je suis actuellement tout près de la maison, un dernier virage, et là la voiture. Et là la voiture plante au dernier moment, tu sais.